Ah. Tu sais que je t'aime à la folie, moi. Je t'aime aussi. Hmm? Je t'aime beaucoup. Je n'ai presque pas envie de partir, mais il faut que j'y aille. Parce que j'ai certains trucs d'importants à faire à la maison. Mais je veux que tu restes encore un tout petit peu. Non, non, ton père peut revenir à n'importe quel moment. Et ça ne sera pas bien s'il me trouvait ici. Tu sais, il ne sera pas content. Ah, s'il te plaît, juste un peu. Toi un aussi, peu, un comment peu, résister, juste hein? Un peu, je t'en prie. Bon après-midi, monsieur. Papa, bon après-midi. Jeune homme, qu'est-ce que tu fais ici? Si tu ne sors pas de cette parcelle à ce moment précis, quelque chose de vilain t'arrivera. Eh, mon Dieu, pardon. Orjugo, qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi veux-tu te transformer en une sorte de prostituée? Papa, ce n'est pas ce que tu penses. Allez, la ferme. Veux-tu me dire que je suis aveugle? Est-ce de ma faute que votre mère est morte et m'a laissé avec vous, mes enfants? Ne suis-je pas en train de fournir des efforts comme un père? Regarde ton frère. Ça fait 7 ans maintenant, depuis qu'il nous a quittés. Personne n'a jamais eu de ses nouvelles. Et ça ne te dit rien? Ce que tu sais faire, c'est de rôder autour de ce voyou. Papa, tu ne connais pas ainsi. Allez, tais-toi, avant que je ne me charge de toi. Les jours où tu m'emmèneras la honte dans cette maison, je te tuerai de mes mains. Choma. Ma princesse. Viens t'asseoir. D'accord, ma princesse. Onésiane, princesse, désolée, n'as-tu pas besoin de quelque chose, genre de l'eau hein? Non, maman, ça va. C'est juste que je ne savais pas que Chiki allait traîner comme ça. Moi non plus, je ne le pensais pas. Mais c'est pas grave. Je crois que je dois m'en aller, j'ai d'autres choses à faire. Tu t'en vas déjà. Je suis désolée qu'il ne soit pas là. C'est pas grave. Mais je te promets. Dès son retour, je vais me rassurer qu'il vienne te voir. Ce serait une bonne chose. Ok, d'accord. Je m'en vais. Oh, princesse, tu es tellement humble. Tu n'es pas venue avec les gars. Oui, je t'ai venue avec eux. Ils m'attendent là-bas dehors. Ils sont là dehors. Oui. Donc tous ces mondes qui passent devant la parcelle vont trembler. Ils sauront que je suis une grande dame. Je ne saurais t'accompagner jusque dehors, vu mon habillement. Ça c'est va. Bon, maman. Prends soin de toi. Toi aussi. On y va. Prends bien soin de la princesse. Oh. Jay. Hey. Non, d'abord, quand la nyobou, l'obou, la fonquin boule. Hey. J'ai l'impression d'être une princesse. Hey. Oh, vous n'arrivez pas à ouvrir le portail. Attends, j'arrive à ouvrir pour vous. Oh, quoi, mon tuqué métier? Hé, hey, reviens ici. Où étais-tu? La princesse était venue te chercher ici. Elle est restée pendant longtemps. Au fait, maman, j'avais un truc plus précieux et plus important à faire que ça. Qu'est-ce qui est aussi précieux et très important que la princesse? Enfin, je lui avais dit que dès que tu seras là, tu vas aller la voir. Alors retourne-toi d'où tu viens, va voir la princesse. Maman, je n'irai nulle part. Ça veut dire quoi que tu n'iras nulle part, hein? Hein? Qu'est-ce qui ne va pas avec ce garçon, hein? Qu'est-ce qui ne va pas avec lui? Hein? La majestueuse princesse est venue te voir. Tu la dénigres. Hein? Tchalou quoi? Je crois que ce n'est pas ce que je pense. Le mieux serait que ça ne soit pas cette fille au Djuko qui te confie et trouble ta tête. Oh, moi, Koka, Djike. Oh, moi, Koka.
Choma, tu sais que tu es ma servante privée et j'aime bien passer du temps avec toi. Que dis-tu à propos de JK? Je crois que je suis amoureuse de lui. Bien. Il est calme. Il est doux. Il est beau et présentable. Mais vous savez, il n'est pas de votre genre. Tu veux parler de classe? Oui, ma princesse. Oublie ça, s'il te plaît. Penses-tu que je lui plais? Pour ça, je ne sais pas. Oh. Je ne saurais répondre à cette question. C'est à vous de les découvrir. Mais au moins, cherchez à savoir s'il a déjà quelqu'un avec qui il vit. Tu as raison. Je crois que c'est ce que je dois faire. Vas-y, apporte-moi un verre de jus. Ok, ma princesse. J'espère que ce gars ne finira pas par briser mon cœur. Depuis qu'il m'avait secouru avec ma voiture, c'est toujours moi qui lui rends visite. Il n'est jamais venu au palais me rendre visite. Je suis très attirée par lui, à cause de sa gentillesse et sa serviabilité. J'espère que je ne vais pas me brûler les ailes. Salutations, jeune femme. Tu cherches quelqu'un ou plutôt ta voiture est en panne? Salut. Mon nom est Adézé et je suis la princesse de cette communauté. Hey! Ma princesse! Heureux de vous rencontrer. Mais que fait ma princesse? Que s'est-il passé? Votre voiture a un problème? Oh, je ne sais pas trop. J'étais en train de rouler et le frein n'éteignait pas. Ensuite, ça s'est arrêté de soi-même. J'ai essayé de vérifier, mais je ne sais pas où commencer et je ne sais quoi faire. Hey, wow. Hey, désolé, oh. Ma princesse, pardonnez-moi si jamais je parle stupidement ou si jamais je posais cette question. Où sont vos gardes ainsi que vos servantes? Oh, j'étais revenue la semaine passée. J'aime bien faire le tour du village toute seule parce que ça me permet d'avoir un peu de temps d'intimité. Hein? Hey, Ewo. Désolé, oh. Ok. Avez-vous checké la batterie ou peut-être vérifié s'il y avait de l'eau? Essayez juste de retoucher une ou deux choses et vous verrez, ça va marcher. Peut-être que tu t'y connais parce que moi, je ne sais rien. Hein? Je ne connais pas si tu sais bricoler. Mais si tu sais quelque chose, aide-moi. Ah, bon, pas grave. Ouvrez le capot alors. En tout cas, je ne sais pas. Je ne sais même pas comment m'y prendre. Ah, ok, je vois. Alors, vous me permettrez de le faire pour Bien vous? Bien sûr, je t'en prie. Prends, aide-moi. Merci. D'accord, vous pouvez rester merci. À côté afin, afin que je puisse pas vous salir. Merci. ma princesse, s'il vous plaît, hein? S'il vous plaît, hein, ne faites plus jamais ça. Vous n'êtes plus censé vous promener toute seule, hein? C'est dangereux des fois. Hey! Je cherche une pierre. Je dois l'utiliser comme un marteau. Voilà. Merci.
Ma princesse, s'il vous plaît, aidez-moi à la démarrer comme ça. Pendant ce temps, je vais tenir le truc moi-même. D'accord. Hey, elle a démarré, non? Dieu merci. Hey. Merci. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci. Ma princesse. Merci infiniment. C'est rien, princesse. J'espère que je ne vais pas me brûler. J'espère qu'il ressent la même chose que moi. Jike, comment vas-tu? J'étais ici hier et je n'avais croisé que ta mère, tu n'étais pas là. Oui, ça c'est vrai, on me l'avait dit. Mais je suis désolé, je devais aller faire des trucs très importants. C'est pourquoi je n'étais pas là. Ok. C'est quoi le problème avec ton visage? Pourquoi tu me regardes de cette façon? Tu n'apprécies pas ma compagnie ou soit tu te sens mal à l'aise avec moi à tes côtés? Ni l'un ni l'autre. Mais vous savez, je me demande toujours. Je vous manque à ce point. Comment trouvez-vous le temps de venir ici, venir en ces lieux à chaque instant? Comment le faites-vous? C'est vrai que j'ai eu le temps de voir comment vous me regardez. Bien qu'en retard, mais je l'ai remarqué. Alors, qu'as-tu remarqué de spécial à la façon dont je te regarde? Je ne te plais pas? Ougom, vous voyez maintenant? Où est-ce que vous avez causé maintenant? Ougom! 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 Ougom, reviens! Qu'est-ce qui ne va pas avec ces gars? Ougom! Ougom, s'il te plaît, ce n'est pas du tout ce que tu crois là. S'il te plaît, je peux t'expliquer. Je t'en prie, ce n'est pas ce que tu crois. Je t'en prie. Ce que je crois? Ce que je crois? Qu'est-ce que tu penses que je crois? Que tu n'as pas quelqu'un d'autre? Qu'est-ce que tu faisais avec la princesse? Ok, elle est plus meilleure que moi? Ok, je devais écouter mon père. Je t'en prie, ne dis pas ça. S'il te plaît. Tu sais que je ne peux délibérément te faire du mal. Tu sais que c'est impossible. Hein? Ne pense pas à ce que tu viens de voir là-bas. Ok, d'accord. Je dirai tout ce que tu veux savoir à propos de la princesse. Je le ferai. Je t'en prie. Je ne peux délibérément te faire du mal. C'est pas possible. Mon amour. S'il te plaît, s'il te plaît, je t'en supplie. S'il te plaît. Ah! Ma princesse, vous êtes encore ici. Pourquoi m'as-tu laissé en plan et couru après elle? Qui est-elle? Elle est l'amour de ma vie. Ah, vraiment? Et qui suis-je? Ma princesse, c'est pas ce que je voulais dire.
Le truc, c'est que elle était choquée en vous voyant ici avec moi. Mais je suis amoureuse de toi. J'aime une autre fille et pas vous. Choma, on y va. Hey. Mon Dieu est merveilleux. Jai. Mon Dieu est merveilleux. Et wow. Asina meje ije. Namnapu. Salut. Jike. Hey. Salut, jeune femme. Comment puis-je t'aider? Bien, la princesse m'a envoyé vous remettre ses prisons. La princesse t'a demandé de me remettre ça. Oui. Qu'est-ce que c'est? Je n'en sais rien. Tu n'en sais rien. Pas grave. Hein? Reprends ce qui se trouve dans ces sachets-là et va remettre ça à la princesse et dis-lui de te dire ce que c'est, comme ça elle pourra l'utiliser elle-même. Je suis pas intéressé, moi. Mon Dieu est merveilleux. Et wow. J'aime. Oh, ma fille, comment Dieu. Tu vas? Bon après-midi, c'est un cadeau, je vois. Oui, ma. Oh, merci beaucoup. Ça vient de la princesse, oui, ma. Oh, non, tu dois prendre un gentleman. Quand tu apportes un cadeau, tu dois prendre l'apprécier. Hein? C'est quoi avec toi? Dis merci à la princesse. D'accord, hein? Maman. J'apprécie. Merci, maman. Gano, bye-bye, yo. Hey, regarde-la, elle est comme une chinoise. Oh, mon Dieu. Maman, que veut dire ceci? Hein? Comment tu peux rejeter les cadeaux? Donc, si je n'étais pas venue, elle allait rentrer avec ses cadeaux. Hein? Bah, ce n'est pas comme ça que tu vas agir. Hey, maman! Dis, hey, reviens. Pas. Allez, vas-y. Ogini. Mais maman, qu'elle veut dire ceci, non? Hey, maman, hey. Souviens-toi que c'est toi qui as poussé à chercher cette fille, oh. C'est quoi la suite? Donc, sache que je ne serai pas là en cas de problème, oh. Et d'ailleurs, je ne suis pas impliqué, je ne suis pas intéressé. Peu importe que tu le veilles ou non, la princesse sera ma belle-fille. Tchè, qu'est-ce que tu crois? Salut, Ejike. Bonjour, ma princesse. Comment tu vas? Je vais bien, ma princesse. Je vais bien. J'ai tant de chemin pour venir chez toi avant que je te croise. Mais je peux voir que tu es très occupée. Pas de problème. Je te verrai un autre jour. Ok. Ok. La princesse te cherche beaucoup comme ça. Je la confronterai un jour. Non, tu ne peux pas faire ça quand même. Ce n'est pas nécessaire du tout. Écoute-moi. Il n'y a rien au monde qui puisse nous séparer tous les deux. Toi et moi sommes liés. L'as-tu oublié? Hein? Donc il n'y a pas de princesse qui puisse nous déranger. Ok, pas grave. Ne te dérange pas. Je sais comment je vais en finir. Je sais comment je vais lui parler pour pouvoir finir avec ça. Ok?
t'ai déjà dit, oh, je la confronterai un jour. Hey. Jalousie. Regardez. Jalousie. Hey. Mais viens, non. Je la confronterai un jour. Tu fais l'arrêt d'être jalouse. Jalouse, j'accepte. Je suis tout à toi, jalouse. Non. C'est toujours moi qui lui rends visite. Il ne vient jamais chez moi. Il va toujours chez cette fille. Et pourtant, elle n'est même pas plus jolie que moi. Ma princesse, vous avez envoyé me chercher et jusque-là, vous ne dormez pas encore. Je crois qu'il n'y a pas de problème. Rien de grave. Je vais juste te demander quelque chose. Ok. Dis-moi, qu'est-ce que tu penses de cette fille, la petite amie de JK? Oh. Mm-hmm. Bien. Je crois qu'ils sont très amoureux l'un de l'autre. C'est très évident. Es-tu sûre? Parce que je me dis que c'est elle qui les distrait pour qu'ils ne puissent pas prêter attention sur moi. Non, je ne crois pas, ma princesse. Je crois qu'ils ont commencé d'être ensemble il y a longtemps. Alors, que dois-je faire maintenant? Je vous suggère de jeter le ponce. La fois dernière, quand vous m'avez envoyé pour lui remettre ses prisons, il avait rejeté ça. Quoi? C'est sa mère qui avait pris ça pour lui. Ma princesse, je vous en prie, ne pouvons-nous pas revenir en arrière pour oublier tout ça? On ne doit pas continuer à vivre ainsi à chaque instant. Vous devez arrêter de venir ici, je vous en supplie. Je vous ai déjà dit que j'aime quelqu'un d'autre. Pourquoi pousser le bouchon? Si ça ne marche pas, ça ne marche pas! Eh ben, c'est pas de ma faute si je suis tombée amoureuse. Ah bien sûr, ça recommence. Je pense que tu dois la laisser tomber, comme ça je te présenterai chez mon père avant que je ne voyage pour le Royaume-Uni. On peut même voyager ensemble si tu le veux. Attendez, ma princesse, je vous prie. Je comprends. J'apprécie le fait que vous soyez amoureuse de moi, mais ça ne va pas marcher. J'aime Ojoku plus que tout et je ne peux l'abandonner pour qui que ce soit d'autre. Vous ne pouvez pas voir que ça ne marche pas, vous ne pouvez vraiment pas... S'il vous plaît, arrêtez de faire ça, s'il vous plaît. Arrêtez de faire ça, mais je vous en prie. Mais c'est parce que je ne peux pas. Écoute, tu viens de briser mon cœur. Je t'aime. Je ne saurais pas te laisser. S'il te plaît. Ma princesse, J'apprécie le fait que vous m'aimez. J'apprécie votre gentillesse et vos sentiments envers moi. Mais je vous prie. Je ne veux pas vous blesser. Je vous prie. Vous ne devez plus remettre vos pieds ici. Vous devez partir maintenant. S'il vous plaît. Ma princesse. Ne vous faites pas du mal juste pour ça. Faites votre chemin. C'est très certain que le gars est amoureux d'une autre fille et pas de vous. Ne vous en faites pas, s'il vous plaît. Je sais. Ça me fait vraiment mal parce que je m'étais ouverte. J'avais déjà causé avec mon père et il était d'accord avec l'idée que je dois rentrer au Royaume-Uni pour faire mon master. Ça, c'est une très bonne nouvelle, ma princesse. C'est juste que vous allez me manquer. Tu vas aussi me manquer. Je te remercie beaucoup. Tu es plus qu'une sœur, plus qu'une amie pour moi. Merci pour tous tes conseils et tes préventions. Oh, de rien, ma princesse. Je dois aller rendre visite une fois de plus à EJK. Avant que je ne voyage. C'est vraiment nécessaire?
Il n'y a rien de grave, t'inquiète. Je me rends juste là-bas pour lui informer que je voyage et que je respecte sa décision. Si vous le dites, ok. Papa, bon après-midi. Vraiment? Bon après-midi, à 7 heures. Si tu arrives à me dire bon après-midi à 7 heures, c'est parce que tu ne sais pas quelle heure il est. Nous sommes déjà le soir. D'où est-ce que tu viens? J'étais partie voir un ami. Un ami qui n'a pas de nom. Et tu as oublié que je devais manger. Papa, je suis vraiment désolée. Pas de problème. Ce que tu cherches là, tu l'auras d'ici là. Tu l'auras bientôt. Et quand tu l'auras, Odjugo. Papa, je suis désolée. Je vais te prendre quelque chose à manger. Hey. Où est cette fille? Odjugo. Je pars à la réunion du conseil. S'il te plaît, lave-moi les habits qui se trouvent dans ma chambre. Ok, papa. Et quand tu auras fini, j'ai laissé un peu d'argent sur la table. Ok. Utilise-les, pars au marché et achète les aliments que nous allons manger aujourd'hui. Et quand tu auras fini avec la cuisine, alors tu iras chez mon ami Amoichi pour récupérer l'argent qu'il me doit, l'argent du vin de palme. Ok, papa. Tout ça, je vais le faire aujourd'hui. Pourquoi pas d'autres demain? Ah, et donc, je ne peux plus t'envoyer? Non, papa, je n'ai pas dit cela. Très bien. Rassure-toi que je te trouve à la maison quand je viendrai. Bien. Ok, papa. Que je ne te cherche pas, hein. Ok, papa. Tiens. Papa m'envoie tout ceci aujourd'hui. Comment est-ce que je vais travailler comme un robot? Je n'aurai pas le temps d'aller voir JK. Je ne les comprends pas. Va au marché, lave ça et tout ça. Je n'aurai même pas le temps pour moi-même. Je sais que ma venue t'a beaucoup dérangé. Mais je te promets, mon cher, que ceci est la dernière fois que tu vois ces visages t'es dérangé. Euh...
Ma princesse, je n'aime pas trop le ton de votre voix. J'espère qu'il n'y a pas de problème. Pas du tout. Mon père tenait à ce que je puisse me marier avant que je n'aille faire mon master au Royaume-Uni. Je ne sais vraiment pas pourquoi tu rejetais mes avances. Mais c'est pas grave. Je respecte ta décision. Bien, ma princesse, j'apprécie le fait que vous m'aimez. Et j'aurais bien aimé faire pareil en retour, mais le problème c'est que vous êtes venu à un temps où j'étais déjà amoureux de quelqu'un d'autre. Parce que je sais très bien que ce n'est pas une bonne chose de faire du mal à quelqu'un dans une histoire de cœur. Ce n'est pas bien ça. La vérité c'est que j'aime déjà quelqu'un d'autre. Et je ne puis l'abandonner pour qui que ce soit. La quitter la briserait. Cela nous briserait tous les deux. Je ne veux pas lui faire du mal. Je comprends cela. C'est pour ça que je dis que je respecte ta décision. Alors, je suis juste venue te dire au revoir parce que je rentre au Royaume-Uni. Prends bien soin de toi. Ok? Ok, vous aussi, prenez soin de vous. Viens là. Prends bien soin de toi, ok? Hugo? Hugo? Bonne nouvelle. Bonne nouvelle. C'est quoi la nouvelle en question? La princesse. La princesse s'en va très loin de ce village-là. C'est vrai? Oui. Elle a voyagé pour où? Eh bien, elle s'en va là-bas au Royaume-Uni pour continuer avec ses études. Waouh. C'est une bonne nouvelle parce qu'elle a laissé mon mari tranquille. Toi. Toi. Avec ta jalousie, là, tu vas me tuer. Tu vas me oui, tuer non? avec ta jalousie, Mais toi. Mais pourquoi pas? C'est parce que je t'aime. Tu sais que je t'aime plus. Assieds-toi. Assieds-toi, j'ai un truc à te dire. Doucement, doucement. Ok, vas-y, je t'écoute. Je suis à toi. Ok. Je réfléchis. Je pense vraiment qu'on devrait juste faire connaître notre relation. Rendons-la officielle. Afin que tout cela qui nous dérange, comme ma mère, ton père, on peut les affronter. Peux-tu le redire? Très bien. Je disais, marions-nous. Wow. Oui. Nous ne sommes nécessairement pas obligés de faire une grande fête, inviter tout le monde, faire comme s'il y avait de l'argent alors qu'il n'y en a pas. Il y aura juste quelques-uns de ma famille, quelques-uns de la tienne pour organiser un truc de très simple. Puis on se marie. Ne t'en fais pas pour tes études, même pour ton éducation. Une fois qu'on va se marier, on trouvera les moyens. Tu retourneras à l'université pour étudier tout ce que tu voudras. Je sais, contente. Je sais. Ah oui. Je sais, tu je sais. Tu sais quoi? Ne t'inquiète pas de quoi que ce soit. Dieu est au contrôle. Il va pourvoir. Amen. Oui. Tu sais que je t'aime, toi. Je t'aime aussi. Qu'est-ce que tu viens de dire? Retire ce que tu viens de sortir de ta bouche. Je ne vois pas comment tu amèneras cette fille dans cette maison. Non, pas ici. C'est impossible. Maman, pourquoi? Tu me demandes pourquoi? Pourquoi? Hein? Qu'est-ce que cette fille t'a fait pour que tu la haïsses au point où tu n'aimes même plus entendre parler d'elle? Moi, que t'a-t-elle fait? Ces mariages ne me plaisent pas du tout. Uko Obakolabago. Oui. C'est moi qui veux me marier, c'est ça que tu me dis. Tu veux mon avis? J'aime cette fille telle qu'elle est.
Maman, je t'ai dit ceci à maintes reprises. Que tu le veuilles ou non, c'est la femme que j'ai choisi d'épouser. Pourquoi rends-tu les choses difficiles pour moi? Naya, arrêtez. Qu'en est-il de la princesse? C'est elle que tu dois épouser. Je ne suis pas amoureux d'elle. Odjugo est celle que j'aime. C'est celle à qui j'ai promis d'épouser. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce que je me dérange? La princesse a déjà voyagé au Royaume-Uni pour continuer ses études. Et ça, c'est depuis quand? Est-ce que je suis censé savoir? Suis-je l'un de ses gardes? Jai. Maman, retire cette idée de ta tête que la princesse pourrait devenir ta belle-fille, ok? Parce que c'est Odjugo que je vais épouser finalement. C'est bien d'elle que je suis amoureux. Hein? Donc enlève ta déjà de la tête que la princesse pourrait un jour devenir ta belle-fille. Ça n'en sera même pas. Hein? Arrête de dire n'importe quoi. Observe, regarde bien Odjugo. C'est une très bonne femme et elle est très 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 bien éduquée. Hein? Regarde sa poitrine. Regarde un peu ses lèvres. Obvious. Et surtout son nez pointu. Hein? Regarde sa taille d'otondo. Elle n'est pas otondo. Elle n'est pas otondo. Hein? Parle plutôt de la princesse là qui n'a même pas de forme. Oui, non. La façon celle-là qui veut disparaître parce qu'elle n'a pas de forme malgré tout l'argent qu'elle a. Les mélanges de vos deux couleurs. Odino, cha. Si on le combine, vous donnerez naissance au chocolat au lait. Mais toi et celle-là, otondo, ça sera terrible. Est-ce que ça me concerne? Je connais pas mes enfants, maman. Hey, mais quoi donc? Ils seront mes petits-enfants dans tous les cas. Maman, je t'ai parlé de tout ce qui se trouvait au fond de mon cœur. Je te l'ai dit. Tu devrais déjà commencer à te préparer pour me suivre chez Mazi Silas ainsi que chez Mazi Ndobisa. Afin de les supplier de pouvoir aller chez Mazi Okafor pour pouvoir organiser le mariage. Oh. Jamais, ne me compte pas. Je n'irai pas avec toi. Je ne peux pas aller, jamais. Je ne veux pas. Est-ce trop demandé, hein, maman? Je ne suis pas dedans. Maman, tu iras avec nous. Tu iras avec moi. Tu iras là-bas, oh, maman. Maman? Ah, qu'est-ce qu'il y a? Papa. Ah, dis-moi ce qui ne va pas, non? Je dois aller me reposer. Comme tu peux le voir, je viens de la réunion. Papa Djike a demandé mon mère en mariage. Il se prépare à venir ici avec ses parents pour te voir. Ça, ce n'est pas possible. Ça ne sera pas possible du tout. Hein? Éduquer n'est pas le genre d'homme dont tu as besoin. Regarde, depuis que ta mère est morte, j'ai été le seul à m'occuper de toi et de ton grand frère. Puisque c'est mon travail. Bien sûr, tu sais, quand je travaillais comme un agent de sécurité, comment cela avait pris fin et que les choses sont devenues difficiles pour nous. Ton grand frère s'est enfui de la maison et personne n'a jamais eu de ses nouvelles. Tout ce qu'on nous a appris est qu'il a suivi ses amis à l'étranger. Je ne fais que me débrouiller avec la vente de vin de palme, qui n'arrive même pas à survenir à tous nos besoins dans cette maison. Sans parler des frais qu'on doit payer pour tes études à l'université. Hmm? Je veux que tu te maries à un homme qui va te nourrir. Pas seulement ça, mais aussi qu'il paye les frais académiques pour que tu fasses l'université. Ejike n'en est pas capable. Papa Ejike m'a promis de faire ça. Papa Ejike est un courageux. Je crois que tout ira bien avec nous. Écoute, ce qu'un vieillard voit en étant assis, vous jeunes gens ne pouvez pas le voir, même si vous montez sur le plus haut baobab qui existe. Rien. Oh, mais papa, je l'aime. Tais-toi. Que sais-tu de l'amour? Tu ferais mieux de rester loin de ces garçons, car je ne peux pas donner mon consentement. Ce n'est pas moi qui serai avec lui. C'est toi qui détiens le lendemain. Chaque jour, toujours les mêmes choses. Non, tu ne sortiras pas d'ici. Tu n'iras pas voir un ami. Je dois toujours rester ici à la maison. Qu'est-ce qu'il y a de spécial ici pour que j'y reste? Maman? Où est-ce qu'elle est? Maman? Non. Oui, mais je suis prêt à aller au shop. Tu es déjà en retard, non? Hein? Comment tu pouvais te réveiller en retard comme ça? Tu as changé, tu deviens un peu paresseux là, je ne te comprends pas, hein? Compris. Mais attends un maman, peu, au revoir. Je voulais qu'on puisse discuter de quelque chose.
Hein? Hey! Et pourquoi tu as changé d'humeur? Hein? C'est quoi? Maman, tu es celle qui vient à peine d'ouvrir la bouche pour me dire à moi que je suis déjà en retard pour aller au shop. Oui, je l'ai dit. Et tu viens également de dire que je deviens paresseux. Affirmatif. Sauf que là, tu me prends encore le temps alors que je devrais déjà être au shop en train de collecter l'argent des clients. Hein? Oh, dans tous les cas, tu es déjà en retard, mon ami. Allez. Je ne te prends pas beaucoup de temps. C'est très important. Qu'y a-t-il? Tu connais cette fille, Ojogo, désolée. Je ne veux pas être déshonorée. Je veux dire, cette fille, oh, que mon Dieu m'épargne. En fait, cette fille, Ojogo, je ne comprends pas ce que vous faites ensemble. Hein? Ça commence à me préoccuper et je me demande si tu n'es pas en train d'agir sous le charme ou quelque chose du genre. Est-ce que je ressemble à quelqu'un dont le charme pourrait affecter? Regarde-moi bien, hein? Ai-je l'air ensorcelé? Dis-moi, maman. Maman, le cas de Ojogo et moi concerne l'amour. On est amoureux. Et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour conserver cette relation parce que... Comment se sentirait-elle? Dis-moi un peu, maman, si jamais je la quittais. Maman, la seule chose que tu peux faire pour moi, comme ce que toute mère ferait pour son propre fils, ça serait de me donner ta bénédiction. Donne-moi ta bénédiction afin que je puisse épouser. Arrête-moi un peu tous tes scénarios parce que je commence à en avoir marre. C'est quoi ça? Non, tu sais, je ne sais pas pourquoi je ressens toujours au fond de moi que tu finiras mal avec cette fille. Oui. Ou c'est elle qui te court derrière? Maman, personne ne court derrière qui que ce soit. Personne ne court, je ne cours pas, elle ne court pas non plus. On avait tous les deux cette idée en tête là depuis... Tu te souviens de là où on était avant qu'on vienne habiter ici, quand j'étais encore là-bas à l'école primaire? J'espère que tu te souviens, non maman? C'est depuis ce temps-là. Maman. C'est donc à ce temps-là que tu as commencé à faire. On ne faisait rien du tout. C'est juste que c'est là qu'on a appris à se connaître, à se taquiner un peu. Et là, nous nous sommes décidés d'affronter tous les risques. Faire ce qu'il faut avant que le mal nous tombe dessus. Quelle vierge. Maman, pourquoi tu demandes ça? Je n'ai rien fait, moi. Donc, tu vois, tu es avec cette fille. Je veux dire, femme. Non. Ok, vas-y. Mon cœur, Ojogo. Oui, ma chérie à moi. Donc, maman, s'il te plaît, donne-nous ta bénédiction. Sinon, tu diras que c'est par la sorcellerie qu'on risque de se marier. Ce que j'ai dit. Est-ce que tu m'as entendu mentionner la sorcellerie ici? Ok, y a pas de problème. Si tu veux que je puisse te soutenir, je vais te soutenir. Tu vois comment juste au moment où tu as dit « je veux te soutenir », la joie que je venais d'avoir là tout de suite dans mon cœur, une immense joie, elle s'est manifestée. Et maintenant là, je vais aller au shop avec joie. Je vais faire face à cette journée avec joie. Tu sais maman, quand la joie entre dans le business, l'argent coule. Maman, t'en fais pas haut. Tu sais, je n'ai peut-être pas d'argent maintenant. Mais je ne resterai jamais pauvre pour toujours. Non, c'est pourquoi je vais épouser Ojogo maintenant, juste malgré qu'il n'y a pas encore assez de moyens, tu vois un peu. Afin de nous unir nos forces, afin que, ensemble, nous puissions avancer, souffrir ensemble et faire de l'argent ensemble. Tu verras, on va te rendre heureuse, maman. Je sais. Je vais partir maintenant, maman. À plus tard, maman. À plus tard. Et où? Et Maïfé? Je connais ton plan, cette fille n'a rien du tout. Laisse-moi voir comment tu vas vendre la maison de ton père. Enfin, je crois que je serai déjà morte. Maman, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que tu es venue faire ici? Maman, je suis venue voir Ejike. Tu es venue voir Ejike? Pourquoi? Hein? Pourquoi? Très tôt comme ça. Tu es venue voir Ejike? Ne sais-tu pas que le matin comme ça, il va dans ses business? Je ne sais pas qu'il est un businessman. Maman, j'étais à la boutique et je ne l'ai pas vu là-bas. Hein? Peut-être que tu l'as passé en route. Parce qu'il vient de sortir ici il n'y a pas longtemps. Hein, tu peux t'en aller. Ok, maman, je m'en vais alors. Viens, rentre un peu ici. Où est-ce que tu vas? Tu dois rentrer chez toi à la maison. Je crois que ce n'est pas ce que je suis en train de penser. J'espère que tu n'utilises pas les charmes pour envoûter mon fils. Que Dieu épargne. Dieu fait mieux de l'épargner. Dieu fait mieux de l'épargner parce que j'allais me retourner contre toi.
Hein, tu comprends ce que je dis? Allez, pars de ma maison. Ok, maman, bye. Je suis mon fils pour le décevoir après. Tôt le matin comme ça, une fille, tu ne sais pas travailler chez toi à la maison. Tu laisses ton ménage pour venir chercher mon fils avec tes envoûtements. Hein, Jiki, mais qu'est-ce qui t'arrive, mon fils? Laisse-moi le fermer cette porte. Éduquer, tôt le matin comme ça. Hein? Ah, les enfants de nos jours, terrible. Qu'est-ce que je fais pour mériter ça? Qu'est-ce que je lui ai fait? Je ne sais pas ce que je lui ai fait. J'étais venue voir Éduquer pour lui dire ce que mon père m'a dit. Mais à ma grande surprise, cette femme m'a montré une autre face d'elle aujourd'hui. Que je retourne alors au shop. Peut-être que Éduquer est là-bas. Qu'est-ce qu'il y a? Papa, j'aimerais te dire quelque chose. Regarde, je ne veux pas ce drame. Nous sommes très tôt. Si tu as quelque chose à dire, dis-le. Hein? Pourquoi tu as des larmes aux yeux? Quelqu'un est mort? Non, papa. Alors, arrête cette bêtise. Qu'est-ce qu'il y a? Papa, juste te demander si tu es d'accord à la proposition d'Éduquer. Écoute, si tu ne veux pas que je me charge de toi, je n'aimerai plus jamais entendre ce nom être prononcé dans cette maison. Mais papa, jamais. Papa, c'est pas bien. Ah, dégage, entre à la maison. Entre à la maison. Papa, c'est pas gentil. Que sais-tu de l'amour, toi? Fille stupide, n'importe quoi. Un amour sans argent n'est pas un amour. Est un amour stupide. Il ne peut y avoir amour sans argent. Mais disant que tu l'aimes, tu ne sais même pas comment aimer. Tu aimes quelqu'un qui n'a pas d'argent. Pas d'argent dans sa poche, mais tu l'aimes. Yeah. Maintenant que ton père a refusé de donner son accord, qu'allons-nous faire maintenant? Je ne sais pas, oh. Je ne sais pas. Sérieusement, je n'en sais rien. Mais... j'ai pensé à quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Je crois que je dois aller dire à mon oncle. Je vais lui expliquer. Comme ça, lui, à son tour, il va le convaincre. Voir ton oncle pour lui en parler. J'espère que tu n'iras pas là-bas pour le flatter. Non, il est mon oncle. Je vais juste te dire que... je vais lui dire que s'il refuse que je me marie à toi, je vais me tuer. Alors, si seulement je lui dis ça, il va convaincre mon père. Tu crois que ça va marcher? Ben, on n'a pas encore un autre plan. Mais je crois que ça va aller. Essayons d'abord. Ah.
Ah, très bien, voyons voir ça alors. Et à propos de maman? Bien, maman, maman n'aura pas le choix. Elle n'a pas le choix que celui de l'accepter. Elle voulait que la princesse puisse être sa belle-fille, mais c'est hors du contexte. Et d'ailleurs, elle ne peut me forcer à faire quoi que ce soit. Dire que je devrais aller épouser la princesse. Donc, elle n'a pas le choix. Ah. Éduqué. Oui, Naï. Tu as dit que tu voulais me voir et que c'était urgent. Oui, c'est vrai. Maintenant que tu es là, qu'est-ce qu'il y a? Naï, s'il te plaît, je veux que tu me suives chez Mazio Kafo, s'il te plaît. Le même Mazio Kafo? Oui, je suis prêt. Même si cela me demande de vendre tout ce qui se trouve dans mon shop pour rendre cela une réalité, je le ferai. Attends, es-tu préparé pour ça? Bien préparé. Bien, comme je l'ai dit, même si cela me demande de vendre tout ce qui se trouve dans mon shop. Naï, je suis pressé là. Je veux faire ceci très vite. Avant que cette situation n'empire, les gens risquent même de commencer à s'entretuer. Éduqué, calme-toi, calme-toi. Je sais pourquoi je te demande ça. On ne prend pas des décisions à la précipitation. Tu dois d'abord réfléchir là-dessus. Réfléchir profondément. Hein? Ok, je n'aimerais pas être un obstacle. Quand veux-tu qu'on y aille? Naï, n'importe quand même demain. Ah ah. Le matin, à midi, mais pas la nuit, hein. Naï, il n'y a pas tout à perdre. Demain de demain? Demain, Naï, je suis pressé, moi. J'ai besoin de rapidement mettre ma femme à la maison. Je vous prie, Naï. Je crois que je dois aller quelque part. Mais à cause de ça, je vais abandonner ce rendez-vous. Hein? On ira là-bas demain. Merci, Naï. Tu es vraiment, vraiment préparé. Tu es sûr de ce que tu me dis? Mbam! Je suis vraiment, vraiment préparé, Naï. J'ai besoin de cette liste pour que je commence déjà à payer petit à petit. Naï, je paierai tout. Dieu sera ma suffisance. Éduqué. Naï. C'est bien toi qui parles. Toi? Naï, c'est bien moi. Même moi, j'arrive même pas à imaginer que ce soit vraiment moi. Ok, pas de problème. On ira là-bas demain. Merci, Naï. Merci, oh. Ici au Kafo, voilà la raison pour laquelle nous sommes là. Tu vois, notre fils ici nous a parlé d'une très jolie fleur qui se trouve dans ta maison. Voilà pourquoi nous nous sommes dit de venir demander ta permission. Pour qu'on puisse cueillir cette jolie fleur. va droit au but et dis-moi la raison pour laquelle tu m'as apporté cette boisson. Bien. Nous sommes là pour ta très jolie fille. Très bien. Ma fille m'avait déjà dit que vous viendrez. Alors je suis au courant. Et je suis très bien préparé à vous accueillir. Merci. Avant que vous ne partiez, je vais vous donner la liste. Comme ça, vous irez en débattre avec les membres de votre famille et bien l'analyser. Et si vous êtes vraiment d'accord pour continuer, vous reviendrez. Et donc avec tous ces éléments pour épouser ma fille. Ichio Kafo, merci beaucoup. Merci monsieur. Ça ne sera pas du tout un problème. Aussitôt que nous quittons ici, nous irons rencontrer d'autres membres de famille. Comme ça nous allons commencer les préparations pour ce qui est nécessaire. Mm-hmm. Ok. C'est bien, comme ça moi aussi j'aurai le temps d'informer ma famille. C'est bien comme exactement. Ça. Exactement. Vin de palme. Oui maman. La marque Indy. Les plus coûteux de vin. Mm-hmm. 50 gâteaux. Ça là, c'est vraiment moins cher. Moins cher. Et notre cola. 20 pièces. Très facile à trouver ça. Le pan d'Abada. 100. Ah, mais il n'y a que 100 pièces, non? Je t'avais dit. Je t'interdis d'épouser cette fille Oju. Ah. Vois maintenant comment Okafo veut se vider de sa pauvreté. Surtout un petit garçon comme ça, hein, Didé. Prends, c'est ta liste.
C'est pourquoi je n'aime pas les gens qui s'appellent Okafor. Pas étonnant, c'est comme ça qu'ils sont. C'est Okafor qui a donné naissance à Otondo. Quelle mauvaise combinaison. Maman, qu'est-ce qu'il y a sur cette liste? Il n'y a rien là-dessus? Il n'y a rien sur cette liste. Tu sais que d'autres personnes auraient demandé presque tout un tonne d'igname. D'autres gens auraient demandé d'aller puis d'organiser des seconds funérailles pour leurs défunts pères. Et puis même chose. Tu n'as qu'à continuer la liste. Je l'ai vu, je l'ai lu avant de te l'amener, non? Hein? Maman, il n'y a vraiment rien sur cette liste, non? Tu n'as pas à t'en faire, okay. Hein? Il n'y a pas de dot dans ce monde qui puisse être trop cher pour Mao Jugo. Hein, maman, laisse-moi te dire, quand il y a l'amour, l'amour supporte tout. Oui, maman. Je t'aurais prévenu. C'est pourquoi je veux que tu épouses la princesse. Hey. Mon fils, c'est cette opportunité qui se pointe devant nous. Et quoi? Je suis sûre qu'il allait appeler JB pour venir agrémenter la soirée. Est-ce que tu connais JB? Je suis sûre que tu ne le connais pas. Renseigne-toi. Renseigne-toi sur lui. C'est là que tu comprendras de quoi il s'agit. Tu veux me raconter des histoires avec cette foutaise. Maman, incroyable. S'il te plaît, je t'en supplie. Ne mentionne plus jamais ce mot aux princesses à ce stade de ma vie. Et pour la peine, ce nom devient maintenant comme une blague pour moi. Oui. Et puis après, tu vas me parler des opportunités. Quelle opportunité la princesse va-t-elle me donner que Adjugo ne peut pas me donner à cause de sa bonne étoile? Hein? L'amour qu'elle me porte, c'est un amour qui me donne des opportunités de pouvoir tenir. Arrête un peu avec tes opportunités là qui n'ont même pas de sens. C'est quoi ça? Adjugo n'a pas encore vu un homme de son goût et de son niveau. C'est pourquoi elle se colle à toi. Adjugo. Adjugo aime les gens de la taille 16, ça tu en as encore 5. Hein, pas de problème, maman. Je suis petit, mais pas de partout. Hein. Que Dieu t'en donne la compréhension. Je n'ai pas besoin d'avoir cette compréhension parce que je sais qu'à la fin, c'est toi qui me donneras raison. Hein? Ok, pas de problème, maman. Tu vas voir. Tu verras seulement. Papa, tu ne veux pas que j'épouse Ejike. Regarde la liste que tu lui as donnée, une liste très chère. S'il ne peut pas réunir les éléments d'une liste aussi simple, alors, il ne peut pas être ton mari. Papa, tu appelles ça simple? Papa, tu dois la revoir. Va raconter tes bêtises là à ton oncle, ok? Papa, je vais entrer là-bas, emballer mes affaires et sortir de ces lieux. Pourquoi tu ne veux pas que je me marie en paix? Je ne vais pas prendre les affaires, je dois partir d'ici. Dis-moi que tu veux faire tes bagages pour aller vivre chez Ediké. Elle me ment encore qu'elle veut fuir la maison. Pour aller où? Qu'est-ce qu'on va faire pour la liste? Tu dois la remettre à papa. Attends. C'est à cause de la liste que tu es triste ainsi? Et que tu dois même la remettre à papa? Allez bébé, tu ne devrais vraiment pas faire ça. Tu ne devrais pas. Écoute. Avant même que je ne puisse avoir la moindre intention de vouloir me marier à toi, je me focalisais sur le mariage. Mais je n'avais pas de boulot. Et maintenant, là, je fais quelques business. Et j'ai même un dieu là-haut. D'accord? Ça va aller. D'accord, mon amour. J'avais peur. Je voulais pas que tu prennes l'argent de ton business. En fait, on a besoin de beaucoup d'argent pour agrandir notre business. N'aie pas peur. Tu veux ce qu'il y a de mieux pour moi? Tu veux ce qu'il y a de mieux pour nous? T'en fais pas. Sache que Dieu est assis sur son trône. Ok? Écoute, tu sais ce qui reste? Dès que notre mariage sera fini, nous allons nous asseoir et bien gagner de l'argent. Avoir un job ne sera pas un problème. Et continuer notre business ne le sera pas non plus.
Le plus important, c'est que nous nous aimions l'un et l'autre, d'accord? Mon amour. Oui, bébé. Je suis maintenant contente, je suis finalement avec toi. Et cette joie ne va pas du tout quitter notre vie. Amen. Tu sais, je suis heureux que tu sois mienne. Oui. Tu es tout à moi. Merci d'être ma femme. Merci d'être mon homme. Mon mari pour la vie. Je t'aime, chérie. Je t'aime, chérie. Ah. Je suis très content. Ah, arrête! Ah. 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 Voilà. Mais qui est-ce? Ça veut dire quoi cette question? C'est moi ta mère. Sors! Tu laisses toujours savoir si c'est qui avant de sortir. Hey, maman! C'est quoi, maman? Hein? Maman, bonjour. Bonjour, qu'est-ce qu'elle fait là, dedans? Elle ne veut pas sortir pour faire les petits travaux du matin? Maman, bonjour. C'est quoi cette paresse que vous avez? Maman, pourquoi, non? Pourquoi? Hein? Pourquoi? Tu sais bien qu'on a une dure journée hier. Qu'est-ce que vous avez fait hier que personne n'a pas encore fait? Qu'est-ce que vous voulez encore? On s'avait laissé toute une journée hier. Va faire ce que tu as appelé à faire étant que femme. Maman, je n'aime pas ça. Oh. Je n'aime pas ce que tu fais là. Mon amour, ok. Laisse-moi aller l'aider. Écoute, mon amour. Qui vient t'aider à faire quoi? Allez, mon ami, vas-y, va le faire toi-même. Mon amour, tu es sûr que tu peux le faire? Oui. Bah, elle saura. Elle n'est pas un bébé, elle le fera. Baby, vas-y doucement. Hein. Qu'elle aille doucement, pourquoi? André là-bas, c'est quoi ça? Allez, je crois que je devrais aller l'aider, maman. Laisse-la faire seule. C'est de son devoir de le faire. Maman, tu sais qu'elle est encore... Elle est encore nouvelle. Elle a besoin de... Maman, qu'est-ce que tu as l'intention de faire là, hein? Baby. Reste là-dedans. Mon amour. Vas-y doucement, hein. Toi, va te reposer pendant qu'elle travaille. Hein? Tu vas en finir. Mon amour. Baby, que veut dire ceci, non? Hein? Attends, tu es ma femme ou plutôt une domestique dans cette maison? Non, mais sérieusement, tu travailles depuis que je suis sortie. Et même quand je suis revenue, tu continues de travailler. Quand vas-tu te reposer? Mon amour, t'inquiète, ça va bientôt finir. Il reste juste que je nettoie les habits des mamans et puis je vais aller au marché pour préparer. Aujourd'hui? Oui. Aujourd'hui? Et à cette heure-là? Non, non, pas aujourd'hui. Hein? Maintenant, va te changer, ok? Va prendre ton bain, hein? Et retrouve-moi dehors afin que nous puissions faire les calculs pour tout ce dont nous avons besoin. Tu sais, je n'ai pas été à l'aise toute la journée, donc j'ai été un peu en l'air. Je veux que tu viennes m'aider à faire les calculs pour tout ce dont j'ai besoin au shop. Et pour les autres choses, c'est fini pour aujourd'hui. Donc, entre là, donc va prendre ton bain. Je ne vais pas te voir dehors. À part seulement si tu viens m'aider à faire les calculs. Mon amour, alors les vêtements des mamans... Pas les deux! Mon amour... Ne t'en fais pas, tu auras le temps de faire tout ce que maman t'a demandé de faire après. Ok? D'accord, j'ai besoin que tu te relaxes un peu. Tu dois être fatigué, tu travailles depuis ce matin. S'il te plaît, d'accord? Va prendre ton bain, d'accord? Et puis, rejoins-moi dehors. Si celle arrive, je saurai quoi lui dire. Ok? Allez, vas-y. Okay. Je t'aime. Je t'aime aussi. C'est ce dont on a besoin au shop, hein? Oui. On doit acheter beaucoup de choses, oh. Je sais, ça fait d'ailleurs longtemps que je n'ai pas acheté toutes ces choses à cause de... du mariage et tout, tu vois. Je pensais aux biscuits. Biscuits. Parce que ce n'est pas seulement pour les adultes. Biscuits. Ok. Écris aussi, c'est quoi ce nom? Irish. Ces petits biscuits, oui. Ceux-là qui ont du lait, oui. Tu sais, les enfants oui, adorent comprends. Ça. Tu peux aussi ajouter des chips.
Il y en a deux sortes d'ailleurs. Okay. Je les avais vues l'autre fois au grand marché. Ainsi que de la sardine. Et on peut aussi bienvenue, ajouter... Maman. Oh, maman, bienvenue. Merci, maman. Qu'est-ce que vous faites ici? Maman, je l'aide avec des calculs. Tu l'aides à calculer. Est-ce que tu as déjà fini avec la lessive pour venir faire les calculs? Quel calcul? Es-tu son comptable ou quoi? Hein? Non, non, c'est juste qu'elle m'aide à faire ce... Allez, lève-toi. Maman, elle essaie juste de... Combien avons-nous dans la caisse? 5 000. Tu m'entends pas ou quoi? 5 000, je disais. Ok, ok. C'est 450 000 ou 45 000. Au fait, mon ami, je... Mon ami, fais tes calculs seul. Tu sais, maman, elle est ma femme quand même. On a, je sais que c'est ta femme. Lève-toi, laisse-moi la place, apporte-moi de l'eau. Ah, maman. Dépêche-toi. C'est ma femme. Si ce n'est pas dans la chambre à coucher, c'est le calcul. Toujours collé, comme de chien en chaleur. Tu ne la laisses pas se concentrer à ce qu'elle doit faire. Des calculs. N'importe quoi. Dépêche-toi, apporte-moi de l'eau, mon ami. Hé, mon Dieu! Dieu merci. Dieu merci. Dieu merci. Dieu merci. Maman n'est pas ici. Merci, mon Dieu. Elle allait me tuer. Elle allait me causer de problèmes. Dieu merci. Oh mon Dieu. Seigneur merci. Je suis fatiguée. Je fais tout moi-même. Je pars au marché. Je prépare. Je fais la lessive. Oh mon Dieu. Je fais la maison. Je nettoie tout, toute seule. Mon Dieu. Je suis vraiment fatiguée. Que faire encore? Ah, mon Dieu. Hey! Hey! Qu'y a-t-il? J'ai perdu mon bébé. Sans effet, comment peux-tu perdre ton bébé? Non, non, non. Oh mon Dieu! Non, pas encore! Pas encore! C'est bon bébé, c'est bon. C'est bon chérie, ça va aller. Viens, tu vas te mettre sur mon lit. Allez, viens. Ça va aller chérie. Je t'en prie, je t'en prie. On ira à l'hôpital, chérie, d'accord? Maintenant, calme-toi un peu, chérie. Ça va aller, ok? Sois forte. Doucement, chérie, attends-moi là.
Tu vas aller te reposer, hein, d'accord, chérie? Mais bata go. Maman? Ça va aller, chérie. Tu veux que je te porte? Non. Bienvenue. Tu veux la porter? Oui, maman. Au fait, elle n'a pas de force. J'espère qu'elle va bien. Oui, oui. Au fait, nous venons de chez le docteur et il nous a donné ces médicaments qu'elle doit prendre pour guérir. Tu ne l'as pas porté depuis l'hôpital. Et tu voulais juste la porter ici. Non, au fait, c'est quand nous sommes arrivés là, je voulais le faire. Mais tu la connais très bien, elle aime trop faire les choses elle-même. Je sais. Une femme très forte. Je sais. Ah, c'est ça. Elle doit se reposer si vraiment elle va aller mieux. Ok. S'il te plaît, amène-la à la maison. Hein? On aime. Tu iras mieux, mon cœur. Ne t'en fais pas, ok? Vas-y doucement, chérie, ok? T'en fais pas, ça va aller. Je vais prendre soin de toi, d'accord? Ziak, Zianana, les filles de nos jours. Zianana, les filles de nos jours, elles sont tellement paresseuses. Elles veulent être assistées à toutes les tâches qu'elles font. Hein? Tu veux donner l'attention à mon fils? Dieu ne le permettra pas. Sans effet, tu ne me tueras pas, mon fils. Ça ne marchera pas. Repose-toi bien. Je t'attends ici. Dès que tu te réveilles, tu viens à la cuisine. Et les petits travaux qui t'attendent. Maman? Je t'ai invité ici pour que nous puissions discuter parce que je sais que ta femme est dehors. Maman, j'espère que ça va. Tu as l'air inquiète. Non, rien ne va. Je suis inquiète. Tu sais que ça fait déjà une année depuis que vous êtes ensemble. Vous dormez toutes les nuits ensemble. Vous faites tout ce que vous faites. Jusque-là, je ne vois aucun signe. C'est quoi le problème? Tu m'as dit il n'y a pas longtemps ici que ta femme a fait la fausse couche. Fausse couche quoi? Je ne puge rien là, dis donc. Maman, tu as fini? Maman, ne t'en fais pas, sois patiente. Oh, tu sais, au temps prévu par Dieu, nous aurons notre propre enfant. Anna, laisse-moi te dire quelque chose. Je veux porter mes petits-fils. Tu sais, les filles de nos jours ne sont plus dignes de confiance. Elles ont toujours dit que je fais une fausse couche, je fais une fausse couche. Ce sont de mensonges. Je vais vous observer jusqu'à la fin de cette année. Si elle ne met pas toujours au monde, je te le promets, je vais la renvoyer chez elle. Maman, maman, tu ne feras pas une telle chose, oh. Hein, tu crois bien? Comment peux-tu juste te réveiller un matin parce que je... Est-elle Dieu qui donne des enfants? Hein? Comment peux-tu dire une telle chose, hein? Odjougo est la femme de ma vie. Tu ne peux me séparer d'elle juste comme ça. Hein? Elle a fait une fausse couche, je l'ai vue. Ce n'est pas comme si elle était stérile ou qu'elle ne pouvait pas concevoir. Sache qu'elle peut très bien le faire. Donc il y a une probabilité, il y a une possibilité que je puisse en avoir un autre. Non, ne sois pas, laisse-moi te dire. Les jeunes filles de nos jours ne sont plus dignes de confiance. Elles sont compliquées. C'est là qu'elles ont l'habitude de se cacher. Derrière le fausse couche. Ouvre tes yeux. Maman, s'il te plaît, arrête de dire des telles choses. Ce n'est pas un problème, pardon. Okay. Ce n'est pas un problème. On verra. Hein? C'est un problème. Un grand problème. Tant qu'elle ne tombera pas en cède dans cette maison, on verra. Maman, laisse-moi te poser une question. Pourquoi est-ce que tu ne veux pas que la paix règne dans cette maison? Paix? De quelle paix tu es en train de parler? C'est vous qui ne voulez pas me donner la paix dans cette maison. Donne-moi la paix, tu auras la paix en retour. Maman, arrête ça, oh. Arrête ça, oh. Je te dis ce qui est vrai. Arrête ça, oh. Jusqu'à la fin. Arrête ça, oh. Tu penses que je suis folle quand je te parle de ces choses? N'importe quoi. Non, mais sérieusement, est-elle Dieu? Hein? Est-elle Dieu qui donne des enfants? Non, mais c'est vraiment un vrai dilemme avec toi. Chaque semaine, un problème. Maman? Maman? Augini, c'est quoi? C'est quoi le problème? On ne peut pas encore aujourd'hui pour le dîner, maman. Ah! Oh, Wangani. Je suis venue pour le dîner. Pourquoi je ne peux pas me reposer? C'est tous les matins que tu viens me voir pour le petit déjeuner. Les après-midi, tu viens pour le dîner. Et voilà maintenant encore pour la même chose. Qu'est-ce que j'ai moi avec vous? Fous-moi la paix, je suis venue te voir pour le dîner. Disparais de ma présence. Allez, vous trouvez une solution pour le dîner vous-même.
Tout ce que tu sais faire depuis que tu es là, c'est manger. Tu ne fais que consommer, c'est pourquoi tu grossis en désordre. Et c'est comme ça que tu dis de ça, mon fils. Laisse-moi te dire. Si tu ne donnes pas des signes de grossesse jusqu'ici, tu vas rentrer chez toi. Olikoboué, tu n'as même plus de forme. Tu sais combien de temps que ça m'arrive pour que j'ai cette taille? C'est quoi ces bêtises? Maman? Ogini. Avec qui tu te querelles? Querelle, tu m'as trouvé ici avec qui? Ou tu veux juste parler? C'est quelqu'un de stupide comme ça. Désolé, oh. Mais maman, je t'ai trouvé en train d'insulter quelqu'un. Je suis en train d'insulter quelqu'un. C'est oh, du coup, tu appelles quelqu'un. Ah ah. Je suis en train de la recadrer. C'est tout le monde qui veut me déranger pour me demander de l'argent pour la nourriture. Maman. Ou encore pour savoir s'il y a à manger. Maman. Ogini. Tu ne te fatigues donc jamais? Maman, je veux que cette fille se détende en paix. Tu sais qu'elle vient à peine de passer à travers une fausse couche. Hein? Laisse-la être en paix. Tu ne connais rien du tout. Elle vient d'avoir quoi? C'est tous les jours. Quoi? Maman, je suis fatigué. C'est de quoi qu'il s'agit? Une fausse couche. Hé, tu vois, Hubo. J'ai cru que tu étais plus sage que ça. Elle ne fait que consommer. Dès son réveil du lit, matin, midi, soir, elle ne fait que consommer. Et tout ça, c'est pour qu'elle aille remplir ma toilette par la suite. Ah, chérie, j'ai fait une fausse couche. Ça, c'est quel genre d'avortement? En fait, c'est vous deux que je vais commencer à observer. Oui, je vous aurai à l'œil. Tous deux. Jalubem, tu peux la suivre. Stupide femme. Ougom. Ça veut dire quoi, ça? Ougom. Obi. Tu n'es même pas en mesure de tomber enceinte. Tu as jusqu'à la fin de cette année. On verra moi et toi ici. Femme de ma vie. Mon amour. Oh bim. Que t'est-il arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que je fais à maman? Quoi? Elle m'insulte à tout moment. Je sais pas ce que je lui ai demandé. C'est qu'on va préparer. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Suis-je Dieu pour donner les enfants? Suis-je Dieu? Suis-je Dieu? Suis-je Dieu? Hein? Dis-moi, suis-je Dieu? Mon amour, c'est bon. D'accord? Ça va aller. T'en fais pas, je vais parler à maman. Hein? Je vais lui parler sérieusement. Arrête de pleurer maintenant, s'il te plaît. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Non mais bébé, j'ai dit que ça va aller. Hein? S'il te plaît. Ok, ça va aller. Tu sais quoi, hein? Habille-toi, laisse-moi t'emmener quelque part. Hein? Afin d'aller t'échanger des idées, te sentir vraiment dégagée. Hein? Comme ça, tu seras heureuse. Allez, viens là. Chérie, ça va aller, hein? Ça va aller. Ma fille, c'est ça le mariage. Alors tu ne dois pas en être triste. Je crois qu'un jour Dieu va écouter tes prières et va te donner un enfant. Amen. J'espère que ta belle-mère ne te tourmente pas. Non, pas du tout. Elle ne me fait pas ça, mais deux fois elle réagit. Généralement, c'est comme ça que les belles-mères se comportent. Mais cela ne veut pas dire qu'elle t'aime. Mais papa, pourquoi moi? Tu ne dois pas remettre Dieu en cause, ma fille. Je crois qu'un jour, il écoutera tes prières et te bénira. Tout ce que tu as à faire, c'est de prier pour que les affaires de ton mari prospèrent. Pour que quand l'enfant viendra, il ne puisse pas souffrir. Hein? Alors, bon. Ne sois pas triste. Ok, papa, j'ai entendu. Papa, laisse-moi aller t'aider avec quelques travaux là-bas. D'accord, ma fille, mais tu dois faire très vite pour retourner vers ton mari. Oui, papa.
Donc, d'où tu viens? Il n'y a aucune notion de temps, hein? Tu n'as pas regardé l'heure, n'est-ce pas? Il est quelle heure? Regarde l'heure à laquelle tu reviens ici. Rentrer tard à la maison ne te dit absolument rien. Maman, je suis désolée. Je devais aller voir mon père et l'aider avec quelques travaux. Hey! Tu étais allée voir ton père. Es-tu mariée à ton père ou à mon fils? Hein? Pour me dire que tu es désolée. Hein? Ne me dis pas désolée. Sois désolée pour toi-même. Je suis désolée, maman. Dis-le à toi-même. Dis-le. Désolée à moi-même. Très bien. Répète-le encore. La prochaine fois, tu t'apprendras toi-même. Tu étais allée voir ton père. Tu veux me montrer que tu as un père ou quoi? Tu aurais dû l'épouser pour rester avec lui, non? Regarde-toi. Tu es parti sans pour autant finir le travail que tu avais ici. Tu as de la chance. Je suis désolée, maman. Stupide que tu es. Ferme ta bouche. Désolée pourquoi? Laisse-moi t'avertir la prochaine fois. Rassure-toi que ma nourriture soit prête à temps. Préparée à ma quantité et à mon goût. Disparais de ma présence. Réponds ce que tu avais à faire. Retourne-la derrière. Regarde-la, zinzin. Inutile. J'étais allée voir mon père. Insensé de père. Écoute-moi. La prochaine fois que tu y vas... Oh, j'en ai marre, je n'en peux plus. Hein? C'est quoi? Qu'est-ce que je lui ai fait? Qu'est-ce que je lui ai fait? Je ne fais rien de bon pour elle. Elle cherche toujours un truc pour me gueuler. Tout ce que je fais n'est pas bon pour elle. Je sais pas. Je suis fatiguée de ce mariage. Tout ce que je fais n'est pas bon pour elle. Elle ne sait que me maltraiter à tout moment. Je peux pas m'asseoir. Elle doit toujours me maltraiter. Je sais pas. Ah. Je ne sais pas ce que je lui ai fait. Tout ce que je fais est mauvais, toujours mauvais. Seigneur, je suis fatiguée, je n'en peux plus. Je suis fatiguée, j'en ai marre. Je suis fatiguée, elle me maltraite toujours, toujours. Elle me maltraite trop. Maman, s'il te plaît, maman, je t'en prie. Allez, maman, reviens ici. Reviens. Maman, reviens, mais qu'est-ce qu'il y a? Non, laisse-moi la tuer. Hey, maman, Maman, tu veux vraiment frapper ma femme en ma présence? Mais pourquoi pas? N'est-ce pas que je le fais aussi avec toi? Regarde-moi cette stupide fille. Elle m'a demandé de l'argent pour qu'elle achète des ingrédients pour qu'elle me fasse une soupe. Et elle allait me faire de n'importe quoi. Je ne sais quels ingrédients qu'elle a mis pour empoisonner Ogo soupe. C'est quelle sottise ça pour me faire gaspiller de l'argent? Maman, n'y a que ça. Maman, désolée, tu voulais au haro et au goussi. Voilà pourquoi j'ai fait au goussi. Ferme-la. Et c'est comme ça que tu devais le préparer? Au lieu de me dire que je ne sais pas faire la soupe d'Ora, et tu es en train de te justifier? Maman. Orgini. C'est bon. Je vais te donner l'argent, ou mieux, je vais l'envoyer t'acheter les ingrédients en question pour pouvoir te faire ta soupe, d'accord? C'est clair pour tout le monde. J'espère que ça peut aller. Tu vois le problème que j'ai avec toi? Tu as toujours trouvé des mots pour défendre cette fille. Attends, on verra le jour où elle va te décevoir en public comment tu vas réagir. Okoufoni. Maman, arrête avec ça. Es-tu en train de m'avertir? Non, ce n'est pas ça, maman. Tu veux me battre? Tu crois que tu peux me battre? Maman? Hein? Maman, je n'ai nullement envie de te frapper parce que si je le fais là, ça sera mauvais. Hein. Ça ne sera pas intéressant qu'on entende dire qu'un enfant a frappé sa propre mère. Je sais où le point est pour ta fille. Maman, baisse un peu ton arme là, ça va pas du tout. Excuse-toi. Désolé. Désolé, maman. Désolé, maman. Je n'aime pas comme tu le dis, désolé, maman. Désolé, maman. Très bien. Ose encore la prochaine fois. Pourquoi est-ce que je le ferai? Je vais vous recadrer. Aussi longtemps que vous êtes dans cette maison. N'importe quoi. Mon amour. Hein? Qu'est-ce que tout ceci signifie? Ça va aller, ça va aller. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tout ça? Allez, ça va aller, chérie. Écoute, je sais que tu es une très bonne cuisinière. Ne la suis même pas celle-là. Va à l'intérieur, prépare la marmite comme ça. Moi, je vais rapidement aller au marché pour acheter les ingrédients. On va mélanger avec... Tu veux l'acheter quoi? Donc ta femme ne peut plus encore aller dehors pour l'acheter. Maman, je t'en prie. Tu veux aller l'acheter toi-même? Honte à toi. Non, non, oh, voilà moi.
Regarde comme elle est bombée. Ne m'énerve pas. Pitié pour toi. Vas-y l'acheter. Va préparer cette soupe. Je vais la manger. Hein? Non. S'il te plaît. Tu dois aller avec moi. Non, non, non. Ne te ferai rien du tout. Non, allons-y. Bon, d'accord, allons-y. Viens, je vais t'accompagner. Hein? Amani Adonego. Hein? Les mouches ne venaient pas gâcher mes plans. Hé, hey, maman. Hein? N'est-ce pas la soupe que tu as condamnée? N'est-ce pas la même soupe que tu as condamnée? Tu te voilà, tu disais gna. Et voilà que tu es en train de la manger. Goûte un peu, goûte. Regarde à quel point elle est très bonne. Pourquoi la manges-tu? Je ne veux pas perdre mon argent. Hein? Avec tout l'argent que tu dépenses. Deuxièmement, tu avais dit que tu veux que la paix règne. Ce que je suis en train de faire ici, c'est une affaire de paix. Je veux que la paix règne dans cette famille. C'est pourquoi je suis en train de manger cette soupe, tant bien que mal. C'est pour la paix que je me suis donné la peine de le manger. Donc c'est ce pourquoi tu condamnais la soupe que ma femme a préparée pour toi. Ah, mon Kem, n'oublie pas de me donner l'argent que tu m'avais promis. Quel argent? L'argent de Hora soupe, bien maman, sûr. Maman, laisse-moi te dire que tu es une vraie perverse. Regarde, papa, je te dis la vérité. Tu vas me donner cet argent. Hein? Donc tu es même prête à faire... Ok, pas de problème. Pour que la paix règne, maman, je vais le faire. Et puis tu me donnes aussi mon argent, non? Tu gâtes trop cette fille. Ah. Oui, ce traitement que tu lui donnes là, tu devais le faire à tes enfants et non pas à cette vieille dame. C'est quoi même ce que tu fais? Tu en fais de trop. Oui, c'est toujours force couche jusqu'à la fin. On n'en trouve rien de bon. Donc je devrais gâter mes enfants puis quitter ma femme. Maman, c'est ma femme que je veux gâter. Donne-moi ça. Non, je n'aime pas cette soupe, je n'aime pas ça. Non, mais écoutez là. Hein? C'est cette soupe que tu condamnais, non? Mais comment? On m'a pas sur la viande. J'ai besoin de la viande pour pouvoir bien manger ma soupe, c'est quoi? Maman, sache que c'est ma femme qui a préparé cette nourriture. Maman, donne-moi la viande. Cette viande, papa. Maman, tu es vieille, oh. Ne cherche pas à ce que je m'énerve. Prie que Dieu te garde longtemps, oh. Prie que tu penses que le personnage te voit que cette femme, vous n'atteindrez pas mon âge. Pas de problème, laisse-moi partir. Si seulement j'avais fait ce que je comptais faire là, tu aurais souffert de la sinusite pour rien. Je ne vais jamais les développer, oh. Jamais ça n'arrivera pas. Arrête de parler, vieille femme. Je ne vais jamais développer la tension artérielle. J'en ai encore envie. Baby. Baby. Chérie, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu vas bien? Bienvenue. Merci. Pourquoi t'es-tu couvert ainsi? Tu pleures? Chérie, je suis enceinte. Tu es enceinte? Mais c'est une bonne nouvelle, ça! Mais c'est... Pourquoi tu me regardes? Pourquoi tu es triste? Nous sommes censés célébrer, non? Chérie, j'avais peur. Tu sais que ce n'est pas la première fois. J'ai peur. J'ai peur. C'est bon, allez, arrête de pleurer, s'il te plaît. Arrête. Allez. Viens là. Je comprends ta peur. Je comprends. Mais j'ai cette forte conviction tout au fond de moi, là, chérie, que cette grossesse va rester. Hein? Dieu va permettre à cette grossesse de rester. Il n'y aura pas de fausse couche. Hein? Alors arrête de pleurer, chérie. Tu ne crois pas que Dieu est capable de faire quelque chose? Ça va marcher. J'ai ce sentiment. Mais ça va aller, mon amour. Ça va aller. Est-ce que tu sais au moins que cette grossesse que tu portes là, c'est un garçon? Mignon petit garçon. Tu sais, avec ton magnifique petit nez. Hein? Pas avec le mien parce que le mien n'est même pas taillé. C'est bon, mon amour. C'est bon. C'est bon, d'accord? Allez, essuie tes larmes, s'il te plaît. Arrête de pleurer. Ça va aller. Ça va aller. Maman,
Je suis venu te supplier pour quelque chose de très important. Oui, et j'aimerais que tu fasses cette chose pour moi, maman. Hey, mais c'est quoi cette chose, non? Que tu veux que je fasse pour toi? Maman, ma femme est de nouveau enceinte. Et je n'aimerais pas qu'elle soit stressée. Qui est enceinte? Maman, j'ai dit que ma femme est de nouveau enceinte. Pour de vrai cette fois-ci? Oui. Je ne veux pas qu'elle soit stressée parce que je ne veux pas qu'elle puisse refaire une autre fausse couche. Une autre quoi? Tu es en train de dire que c'est moi qui avais causé la dernière fausse couche? Et là, c'est seulement si elle était réellement enceinte. Maman, tu la stresses comme pas possible. Tu lui fais faire tous les durs travails dans cette maison. Tous les durs travails dans cette maison et elle le fait elle-même. Et même quand quelqu'un vient pour l'aider, tu ne permets même pas à cette personne de l'aider. Et tout ça parce que tu lui donnes une formation. Non. Pendant ta grossesse, c'est moi qui s'occupais de toute cette maison. Je continue à prendre soin de mon beau-père et de ma belle-mère. Maman, qu'est-ce que tu me diras? Maman, ton époque ainsi que la nôtre ne sont pas les mêmes. Oh, donc les temps ont changé, hein? Donc c'est pourquoi je veux qu'elle soit ok, je veux qu'elle se repose. Afin que cette grossesse puisse progresser, maman. Oh, ok. Maman, je t'en supplie. Je t'ai entendu, je ferai tout ce que tu me demandes. Viens, t'attendons jusqu'à ce qu'elle accouche de son bébé. Pour que je ne vienne pas encore m'acculer. On verra bien jusqu'à la fin. Je m'imagine pas que tu me dises tout ça. Mais je vais quand même commencer à l'envoyer dans ta boutique. Parce que je ne saurais faire cette distance. Baby. Comment tu te sens? Tu sais que j'ai peur. Je suis fatiguée. Qu'est-ce que tout ceci signifie? Ça va aller. D'accord? Ça va aller. T'en fais pas, tout ira très bien. Nous étions à l'hôpital, toi-même tu avais vu comment est-ce que les résultats nous ont montré que le bébé va très bien. La seule chose que tu dois faire maintenant là, c'est de te reposer. Mon bébé, tu travailles tellement trop dans cette maison et ce n'est pas bien. Tu dois te reposer à partir de maintenant pour le bébé. Hein? Mon amour, c'est ça exactement le problème. Tu n'as cessé de te torturer et ce n'est pas bien. Hein? C'était à chaque instant que tu lavais ou que tu préparais. Tu dois te reposer. Tu n'es pas une robot. T'en fais pas, je comprends. Hein? J'ai déjà parlé avec maman. Nous devons te laisser encore un peu plus d'espace. Oui, tu dois te reposer. Parce que je n'aimerais pas que quelque chose arrive à ce bébé. Et encore moins à toi. Ok? Je me suis décidé de plus souvent rester à la maison avec toi. N'importe quel travail, dans cette maison, je suis celui qui va le faire. Je veux que tu te reposes. Je ne veux pas que quoi que ce soit arrive à notre bébé. Encore moins à toi. Ok? Ok, mon amour. Allez, souris-moi, s'il te plaît. D'accord? Je t'aime, mon amour. Je t'aime aussi, mon amour. Bien, c'est l'heure de manger, chérie. T'inquiète, je n'ai pas d'appétit. Non, non, tu as de l'appétit. Tu dois manger quelque chose. Dis-le-moi, quelque chose, ce que c'est, je vais aller le préparer pour toi. Bébé, je veux la sauce du poulet, s'il te plaît. Sauce du poulet, chérie? Pas de problème, je vais aller chez cette... c'est qui déjà, cette femme? Cette femme qui vend les poulets là, juste au coin. Non, je vais pas ça, moi je veux une sauce fraîche de poulet. Pas de problème, tu veux que je t'en fasse moi-même? Oui. Pas de problème, tu sais que ça va prendre un peu de temps parce que c'est moi-même qui vais le faire. Seigneur Jésus! Papa, c'est moi, en chair et en os. Je suis bel et bien de retour. Tu l'es d'où? Oh oui, papa, je suis de retour, en chair et en os.
Comme tu peux le voir, c'est bien moi. C'est toi? Oh oui, bien sûr, c'est moi. Papa, c'est bien moi. Calme-toi. Est-ce vraiment toi? Tinedou. Papa, ça c'est moi. Je suis là de retour. C'est toi? Papa, ça c'est bien moi, papa. Tinedou. Papa, c'est bien moi. Seigneur, merci. Je suis de retour, papa. J'ai croyé avoir perdu mon fils. Hey! Ah, papa, arrête de crier comme ça. Je suis là, je suis bien de retour. C'est bien toi. C'est bien moi, chéri à nos, papa. Je suis de retour. Oh oui. Tinedou, mon fils. Voilà ton fils, papa. Donc c'est vraiment toi. Je suis de retour. C'est toi. Je suis de retour. Hey! C'est toi qui es venu avec cette grosse voiture. C'est l'une de mes voitures, papa. Ah oui, hey, j'en ai beaucoup, papa. Je dois appeler ta sœur pour qu'elle sache que tu es de retour. Tu as vraiment duré. Oui, ta sœur est maintenant mariée. Elle est mariée? Une femme mariée maintenant. Oui, elle est mariée. Son mari et elle se portent très bien. Attends, ils n'ont non, aucun attends, problème. Attends. Ma sœur s'est mariée. Elle a grandi. Sitôt? Elle n'est plus la petite fillette que tu as connue là. Elle est maintenant une grande femme. Juste dans peu de temps comme ça? Elle est maintenant une grande dame. Ne t'en fais pas. Quand tu la verras, tu comprendras. Même si c'est comme ça, papa. Mais c'est très tôt pour se marier. Ah, hein. Ne t'en fais pas. C'est vraiment elle tôt. Va bien. Entrons. Je vais appeler ta sœur. Elle saura que tu es là. Dès qu'elle apprend que tu es là, elle viendra. Et tu vas la voir. Elle est maintenant mariée. Elle n'est plus une fillette. Oh. Ça, c'est mon père. Ça, c'est Dieu mon merci, père. Dieu merci, oh mon fils. Dieu merci. Ne te dérange pas. Tout ira bien. Tout ira bien, mon fils. Hé, hey, mon fils. Je suis très heureux de te revoir. Pareillement, papa. J'ai toujours su que où que tu sois, tu serais bien. Ce dont je n'étais pas tellement sûr était te voir avant de rejoindre mes ancêtres. Mais papa, pourquoi tu parles ainsi? Je comprends qu'au début, quand j'avais voyagé, les choses n'étaient pas bien pour moi. Mais maintenant, je suis stable. Vois-tu, il n'y a rien que Dieu ne puisse pas faire. Exact. Oui, voilà, regarde-moi, je suis de retour en chair et en os. Que toute la gloire revienne à Dieu, mon fils. Odjurgo, ta sœur sera bientôt là. Papa, ce que je ne comprends toujours pas est... pourquoi l'avoir laissé se marier si tôt comme ça? Pourquoi? Ah, mon fils, tu sais, je n'ai pas pu supporter ses études à l'université. Et tu étais porté disparu. Les choses étaient tellement mal. Papa, même ça. Il faut toujours croire en Dieu. Dieu existe et il peut faire des miracles. Oui, elle est trop jeune pour être une femme mariée. Toutefois, si je peux savoir qui est son mari... mon amour, hein? Je ne peux pas y croire. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, mon mari, mon père m'a appelé maintenant. Et pourquoi est-ce qu'il te cherche? Edou, mon frère est de retour. Hey! Edou? Oui. Edou du Brésil? Oui. Il est en vie. Hey! Ça fait plus de 5 ans là. Je te dis, oh, je pars chez nous maintenant voir mon frère. Je dois partir. Ok, bébé, calme-toi, doucement. Oh. Relax, chérie. Calme-toi. T'inquiète, chérie. Doucement. Je hey, chérie, doucement, chérie. D'accord. Chérie. Oui, doucement, c'est hein. Bon. Hey, wow. Hey, Edou est là. Hey, il est vraiment là? Hey, j'aurais dû lui donner du pain. Hey, né, mon amour. Elle est déjà très loin, oh. J'aurais dû lui donner pour remettre à Edou. Tu as vu? Ouais, tout je peux changé. Voir. Ça a maintenant l'air d'une cité. Laisse-moi aller trouver les nécessaires pour faire le vin de Pâques. Qu'est-ce que je vois là? C'est toi? Edou, c'est toi, c'est mon frère. Ah, tu es là, c'est vraiment toi. Tu as grandi, oh. C'est bien moi, mon en chemin. Non, je c'est pas là, pas. Je suis là, je suis des retours. Oh, dis-moi, mon frère, ce n'est pas moi, c'est vivant. Oui. Oh, c'est toi, mon frère. C'est bien moi. Oh, Dedou, je t'aime, tu es beau comme ça, mon frère. Oh, oui, c'est regarde bien un moi, peu comment tu es. Wow, je suis des retours, je suis des retours. Je suis des retours, je ne reviens pas. Tu as grandi. Mais regarde-toi. Je ne reviens pas, mon frère. Tu as vraiment pris. Non, c'est pas vrai, c'est toi. Grandi, oh mon Dieu, je n'en reviens pas. Papa m'a dit que tu t'es mariée. Oui, bien sûr, je suis déjà mariée. Je suis avec mon mari là-bas. Non, mais tu es trop jeune pour le mariage. Oui. Écoute-moi, allons d'abord parler là-bas. S'il te plaît, viens de nous. Ok, viens. Ok, j'arrive mon alors. Frère, je... hey, attends. Oui, c'est qu'est-ce l'une de mes voitures. C'est à toi? Ah! Je dis vrai. Comment tu... J'ai beaucoup c'est à toi, de voitures, moi. Allons-y, viens d'abord, viens. Viens. Hey, Edou, hein. Hey, le même est doux, hein?
Le même Edou. Eh mon Dieu, c'est pas vrai? Eh, ce Dieu est merveilleux. Oh. Vraiment? Donc c'est le même Edou qu'on pensait ne plus jamais revenir. Vraiment. On savait juste qu'il avait voyagé pour aller à l'étranger et sans savoir s'il allait revenir. Dieu est hey. Bon, je suis sûre. Il t'a même demandé. Tu mens. Ah oui, Edou a demandé les petits garçons qu'il avait laissés ici avant de voyager. Tu n'as pas à le blâmer. Je suis vraiment content pour toi. Oh. Merci. Tu sais, Edou vit très bien maintenant. Il nous a même donné un peu d'argent. Tu es sérieuse? Je suis content pour toi. Oh. Dieu l'a vraiment béni. Et là, il va très bien. Oui, vraiment. Oh. Chérie, tu n'as pas demandé s'il m'a donné combien? Non. tu sais, c'est ton argent, non? Pourquoi devrais-tu te demander ça? C'est ton argent à toi, tu devrais déjà commencer à le compter. C'est comme ça qu'on te donne l'argent, ça doit c'est censé rester dans ta poche, non? T'inquiète, il a juste fait un transfert. Il a fait l'argent en cash. Eh oh. Regarde. Regarde le montant qu'il a envoyé. Edou? Edou t'a donné cet argent? Oui. Hein? Non. Non. chérie, je suis content pour toi, oh. Je n'arrive pas à y croire que tu aies utilisé nous. Anime. Donc cet argent-là, c'est pour nous. Au début, j'ai cru que c'était juste pour toi. Oui. Mais où trouver la machine? Mon amour, tu parles de machine. Oh, désolé. La carte électronique. Tu sais, la seule manière de récupérer ce genre d'argent, c'est de passer par ces machines. Donc, donne-moi juste la carte. Ne perds pas de temps. Même si c'est la carte, mon amour, qu'est-ce que tu vas faire alors avec ma carte? Je vais voir si je peux juste... laisse-moi d'abord aller l'utiliser à la toilette, hein? Hein? Parce que tu ne sais pas où est-ce qu'on utilise la carte électronique. Sérieusement, ma soeur, je n'ai pas aimé la condition dans laquelle je t'y ai trouvée. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous, toi et ton mari? Mon frère, on se bat. Je l'ai épousé parce que je l'aime. Il se bat avec sa boutique. Vraiment? Oui, mon frère, s'il te plaît. Je veux que tu m'aides mon mari. Donne-lui quelque chose comme ça, il va agrandir son business. Mais la question est que, pourquoi t'es-tu précipité dans le mariage? C'est très tôt. Il est vraiment celui que je préfère. Je l'aime beaucoup et il m'adore aussi. Ok, je t'ai entendu. Je ferai quelque chose, alors je trouverai le temps pour le voir, comme ça on va en parler. Merci énormément, merci. De rien, et j'aimerais aussi te stabiliser. T'inquiète, mon frère. Mon mari va très bien prendre soin de moi. Waouh, je peux voir que vous deux, vous vous aimez beaucoup. Oui. Ouais, je peux le voir. J'aime ça. J'aime ça. Ok, mon frère, c'est quoi cet tatouage sur ton bras? Hey, tu t'attendais à quoi? Ce sont là les changements. Je vois. Lorsqu'on évolue, on change, tu sais. Exactement. Oui. C'est bien. C'est comme ça la vie. Je vais aussi faire le mien. Oui, oui, oui. Et ça va très bien aller avec mon teint. Tu oui, oui. Sinon, je trouve que tu es amoureuse. C'est bien. Vraiment? Mm-hmm. Ok. Que lui as-tu dit? De quoi vous avez parlé? Je lui ai dit de nous aider avec cette condition. Et il a promis qu'il va faire quelque chose. Tu es sérieuse? Mm-hmm. Hey! Mais, baby, tu ne m'as pas dit que tu irais lui parler, surtout à propos de ce qui nous concerne ici. En fait, moi, je ne savais pas que j'allais aussi lui dire ça. Oh. Mais il me posait quelques questions, alors j'ai profité pour glisser cette situation, tu vois? Et j'ai profité, je lui ai dit... Hey, Om Alejam, pas de problème. Hmm? Comment va mon junior, chérie? Junior va bien. Mon bébé ça est va une là-dedans. Fille, oh. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Non. Ça ne sera pas une fille, oh. C'est un garçon. Tu recommences encore. Et laisse-moi pardon. Ce bébé, quel que soit ce qu'on va faire, d'accord, c'est un enfant. D'accord, peu importe. Je comprends. Oh, doucement. Mon bébé à moi, sache que ton papa t'adore. Oui. Ok? Si tu es un garçon ou une fille, je ne sais pas en quoi c'est que tu seras. Sache que tu vas nous apporter le bonheur. Oh.
parce que ta mère m'apporte toujours le bonheur. Oui, hein? Mais tu vas me ressembler, oh, pas à ton père, s'il te plaît. Faut rester moi ta hein, mère. Ne me ressemble en rien. Ouais. Écoute, tu auras son nez, oui, ses magnifiques petites dents, tu auras ses magnifiques paupières. S'il te plaît, ne sois pas albinos. Quoi? Vous avez un albinos dans votre famille? Mais tu ne vois pas que toi et moi sommes clairs? Et c'est ce qui nous rend tous les deux bizarres. Mon frère. Oui? Ce Dieu est merveilleux. Hein? Je ne peux pas croire ce que tu me dis. Maman a maintenant accepté Ojogo, ma femme, en tant que sa fille. Tu devrais voir comment est-ce qu'elle la traite maintenant, comme attends ta propre fille. Ta mère? Ouais. Celle que tu as dû la poursuivre souvent avec oui, des bâtons comme oui, ça. Oui, qui voulait la frapper parce qu'elle n'avait pas préparé, parce qu'elle n'avait pas fait ceci, parce qu'elle n'avait pas lavé ses habits. Les mères, vraiment. Maintenant, comme elle la traite, tu comprendras même pas. Laisse-moi te dire. La meilleure partie de cette histoire, c'est quand... Dis-moi, non? Mon ami! Je peux voir combien tu es excité. Hey! L'excitation est moins que la compréhension. Ok, écoute, raconte. Le frère de ma femme... Edou, qui avait voyagé? Qui a voyagé à l'étranger il y a 5 ans de cela et oui, qui est parti juste comme ça, comme un bébé dont on s'est débarrassé dans une poubelle. Ouais, mais qu'est-ce qui s'est passé? A-t-il appelé ou quoi? Maintenant, il a décidé de pouvoir changer notre vie. Attends. Et donc, tu essaies de me dire que Edou Brazil celui tu connais, est en ville? Il est en ville. Et au moment où je te parle maintenant, Ojogo parle sûrement avec lui. Hein? Alors, il a dit que quel que soit ce dont... Tu sais que Ojogo, c'est son unique sœur. Oh oui, oui. Et on ne oui. blague pas avec elle. Bien, il m'a dit que quel que soit ce que ça va demander, il veut que j'arrête de vendre tous ces genres de tu veux dire ces shops? Que si je vais vendre des produits, je devrais les faire dans un supermarché. Hein? Tu ne dois pas m'oublier. Hein? Tu sais, non? Ne t'en fais pas, je me souviendrai de toi dans mon paradis. S'il tu n'as même pas à t'en faire, mon paradis. Cher. Comme je te parle là, il a dit qu'il va tout prendre en charge afin que nous puissions quitter le village et aller en ville. Mais moi aussi, je quitte le village. Avec toutes tes affaires. Non, tu essaies de me dire que moi, je vais quitter ce village. Exact. Hey! Laisse-moi te dire que notre Dieu est merveilleux. La personne dont le Père se trouve au ciel ne va jamais en enfer. Alors, Ejike, ne t'inquiète pas. Ma sœur m'a tout dit. Et je lui ai promis que je vais t'aider. Je reviendrai vers toi, ok? Hey, merci. Merci beaucoup. Hey, merci, Wanem. Qu'est-ce que tu veux faire? Mais je voulais juste montrer un peu de non, respect. Non, non. Comprends-moi. Pas ça, je ne suis pas Dieu. Sincèrement. Je peux le voir. Souffert. On a vraiment souffert, mon cher. Je peux le voir. On a souffert. Que Dieu te bénisse, mon vous cher. Vous n'allez plus souffrir. Je suis de retour. Je suis là avec vous. Ok? Merci. Je suis de retour. Merci. Comme tu peux voir, je sors. Je ne sais pas si tu peux me rejoindre. Je fais un tour. Je veux prendre une ou deux choses. Edou, que je vienne avec toi? Oui. Mon frère, je ne me suis pas bien habillé. Regarde-toi. Je ne crois pas que ton je apparence sens... est mauvaise. Tu as l'air bien. Comment est-ce que je peux te rejoindre à l'intérieur de cette bagnole? Je ne pars faire rien de spécial. Je pars juste récupérer... Des roses. Des roses? Ah, toi aussi tu aimes les fleurs, hein? Ce n'est pas ça ce que je veux dire. Ce que je dis est que je pars trouver quelque chose à manger. Hein? Oui. Hein? Je pensais que c'était des roses parce que j'aime trop les hommes qui font souvent le jardinage. Hein? Parce que. Mon bof. Hein, mon cher frère. Franchement, tu n'as pas l'air mauvais. Oh, oh vraiment, tu es sérieux là? Tu es un bon garçon et tu as un très bon teint, je trouve. Es-tu mécanicien? Non, même pas. Ce n'est qu'un Tchoudé. Tchoudé? Oui, c'est ça. Et tu ressembles à ça? Non, franchement, en fait, ma soeur prend bien soin de toi. Oh. Depuis que j'ai marié Ojogo, elle prend soin de toi. Hey! Elle ne me permet même pas de sortir de la parcelle. Je peux et le c'est voir. Pourquoi... Ah, salut mon gars, ça va. C'est le gars qui te transportait souvent. Ah, tu ne t'en souviendras oui, même pas, oui, j'avais oui. oublié. Je n'aime pas leurs conditions. J'ai décidé de les aider. Moi non plus, je n'aime pas leurs conditions, mon fils. Tu sais, je voulais refuser ce mariage en refusant de donner mon consentement.
Mais ta soeur avait insisté, alors je leur ai permis. Ils sont bien ensemble. J'ai parlé avec l'homme. Selon ma compréhension, il a un talent dans le monde des business. Seulement qu'il n'a pas d'argent pour le faire. Alors je crois que si je lui donne un peu d'argent, il peut les multiplier. Bien, c'est un bon garçon. Ouais, tu peux les assister. Très bien, papa. Je voulais aussi te dire que je rentre dans peu de jours. Oui. Je n'ai pas oublié la maison que j'avais promis de te construire. Oui. Et j'aimerais que EJK surveille la maison. Oui, j'enverrai l'argent à travers lui. Pour qu'il supervise la maison. Ouais, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Tu sais, le terrain se trouve juste au coin là. Hein? C'est que je t'avais montré. Oui, je l'avais vu. C'est très bien. Une très bonne place. J'ai aimé ça. Avant que je n'oublie, EJK et sa femme viendront me rendre visite ce soir. Hein, ils viennent ici ce soir. Oui, papa. Oh, c'est bien. De toute façon, leur maison n'est pas aussi loin que ça. Oui, papa. Hey, tu sais, mon fils, je croyais que je t'avais déjà perdu. Il ne faut pas penser à ça. Regarde là, je suis de retour. Regarde-moi, je suis là, en chair et en os. Hey. Petite sœur, la grossesse te va bien. Hein? Merci. C'est un garçon. Oui, oui. J'aime comment vous vivez, vous deux. J'aime tout à propos de vous deux, là. Hein, tu vois, on est toujours heureux tous les deux. Oh, j'aime ça, j'aime ça. Vous êtes heureux. Oui. Oui, oui, tous les deux, oui. Hein, nous sommes heureux. Tu es mon amour. Wow. Je t'aime vraiment, chérie. J'aime comment vous vous comportez comme des jumeaux. Je n'ai même pas assez de charge, mais c'est quoi ça au juste? Je n'ai pas assez de charge. Chérie? Mon amour. C'est quoi? Hey! Qu'est-ce qu'il y a? Regarde. 5 millions! Oui, pour vous deux. Pour nous deux! Pour hey! Deux. Chérie, t'en fais pas, je vais me calmer. Ça, c'est pour vous 5 deux. Millions? Oui. Hey! Okay, merci. Non, merci. Non, s'il te plaît, ne fais pas non, ça. Non, mais on doit te remercier, non, arrête, non? Elle est mon sang. Mon unique sang. Sérieux? Je ne peux que l'aider. T'en fais pas, oh. Oui. T'en fais pas, je prendrai toujours soin de ton sang. Écoute, tout ce que tu peux me promettre, c'est prendre soin de mon sang. Ah oui, avec toute attention. Juste prends soin de mon sang et tu auras plus d'alerte comme ça. Oh. Elle est la seule que j'ai. Oh, elle est mes yeux. Vraiment? J'ai toujours su que ce serait par toi que j'aurais ce bonheur que j'ai aujourd'hui. Oui. Je devrais plus prendre soin de toi pour devenir plus riche. Oui. Si et tu me rendras toujours de heureux. Moi, c'est rends-la toujours heureuse pour toi. Vraiment, vraiment. Heureuse, c'est hey, ce que je te promets que j'aimerais toujours ton unique sang. Oui, aime mon unique sang, ouais. Oui, man. Oui, man. J'aime ça, j'aime ça. J'aime comment vous deux, vous vivez comme des jumeaux. Oh oui, oui, nous deux. Merci. Hein? Oui. Oui. Mon frère, maintenant que tu es de retour, je dois te gérer une bonne fille. Très important. Grandi, une femme. Oh. Oui. Tu la façon dont marier, tu parles, c'est comme si je vais là-bas, je vais juste prendre une femme et c'est tout. Mais il y a des jolies filles aussi facile que dans ça, ce hein? village. Exactement. Non? Et tu sais, tu peux lui présenter à ton amie, celle qui vend là-bas. Ok, celle-là. Celle qui vend, oui. Okay, je comprends. Je ne sais pas si je vais faire bannir le calendrier. Je veux dire, saura-t-elle me foudroyer de son regard? Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Oh oui! Oui, 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 très bien d'ailleurs, très bien! oui, maman. Non. C'est ce que tu as vécu tout ce temps et tu ne m'as même pas informé de cela. Maman. Hugo, je dois le voir. C'est un bon homme. Hey! Maman, oui, il est. Mais il est parti. Oh bien, c'est quoi? Parti où? Je l'ai juste accompagné à l'aéroport. Parce qu'au fait, il n'avait pas de chauffeur. Je l'ai juste conduit jusqu'à l'aéroport et puis là-bas, je lui ai remis la voiture. Bien sûr, moi, je suis très contente. Peu importe là où il est, mon Dieu va le localiser pour le bénir. Amen. Il a un bon cœur. Amen. Amen. Ougoum? 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 Qu'est-ce qu'il y a? Beko, c'est quoi? Chérie, mais qu'est-ce qu'il y a, non? Elle va accoucher. Amène-la dehors. Amène-la dehors.
Athéna. Chérie. Vas-y, doucement. Fais-toi respirer. Très fort. Respire. Doucement. D'accord. Continue. Doucement. Tu vas y arriver parce que tu es déjà arrivé à la fin. Oui. Continue. Viens. Respire. Vas-y. Tu y es presque. Continue. Respirer. Chérie, vas-y. T'inquiète, ça va aller. C'est bon. Vas-y, doucement. Tu y es arrivé. Ok, encore un peu. Vas-y, encore. Vas-y. Oui. Fais un effort. Voilà. Doucement. Doucement, oh. Appuie sur moi, chérie. Encore. Doucement. 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 Ça va aller. Doucement, doucement, Hugo. Doucement. Jiké, tiens-la la hanche. Tiens-la la hanche. Ok. Doucement. Ewo. Ewo. Udo, ça va aller, ça va aller, c'est bon. Allez, ça va aller, ça va aller. Allons-y. Attends, je vais aller récupérer son sac. Ça va aller, ça va aller. J'arrive. Hugo, ça va aller, hein. Hugo, allez. Hugo, on a les jambes. Hugo. Aïe. J'arrive. Hugo, vas-y doucement. Hugo, chérie, ça va aller, hein. T'en fais pas, ça va aller. Doucement, doucement, ça va aller. Hey, Chineke, hey, Bouya, je l'avais dit. Hey, wo, Nem, Ejike. Dieu merci. Mais qu'est-ce qu'il y a? Je suis venu vous dire, Nem, Odugo, hein? Elle a mis au monde. Hey, Dieu merci, oh. Odugo, mon Dieu. Hey. Hey, Odugo, hey, ma fille chérie. Hey, hey, wow. Hey, toutes mes, hey, félicitations. Donc je suis maintenant grand-père. Pour de vrai. Hey, tu n'es qu'aimée. Pour tout vous dire, Hugo, hein? Elle est forte. Hein? Hey, Dimba. Hey, c'est vrai, si ça. Si vous voyez ce bébé avec un nez pointu, hein? Un nez pointu, hein? Son nez ne me ressemble pas. Ces derniers temps, les bébés ne ressemblent même pas au papa et encore moins au grand-père. Oh. Hein? Comme si nos nez n'existaient pas. Hein? Au fait, le nez, c'est comme... vraiment, vraiment, papa. Vraiment. Merci pour ce que tu as fait. Il doit être mignon. Faut voir son poids. Oui, dis-moi. 4,5 kilos. Hein? Dimba. Ce n'est pas vrai. Hein? Tu quoi, Luca? Tu quoi, Luca? Mon Dieu. Mon ami, quoi, ça va, hein? Ouais, ça va. C'est un bien ami à moi. J'ai amené ça pour vous. Rien que pour vous, hein. C'est bien. Je viens là. Papa? Je viens là tout de suite. Je rentre là-bas, hein. Très bien. On se verra plus tard. Mes félicitations, hein. Vraiment. En tout cas. Et je vais être papa, oh. Hey! Je vais être papa, oh. Hey! Hey, oh. Hey! Maman? Maman, oh! Maman? Angini? Dieu merci! Elle a mis au monde! Pour de vrai! Elle est venue, papa! Ouais! Elle a accouché pour de vrai! Hey, maman! C'est vrai! Maman, je suis papa! Il ressemble à qui? Hein? À toi, ou à maman, je suis papa! Non, Dieu est merveilleux! Je suis en train de dire à tout moment au sujet de. Maman? Odugo est forte. C'est une fille très forte. Odugo est courageuse. C'est toujours dit. Hey, Odugo. Odugo. Odubidje. Hey, maman, 4,5 kilos. Et tu sais. Faut le voir. Il est mignon. Tu ne pouvais m'imaginer que ce bébé allait avoir ce poids. Hey, maman, tout ça, c'est grâce à Dieu, hein. Donc, vraiment. Non, Dieu est bon. Hey, maman. Hey! Obinna! Obinna! Hey! Hey! Odugo, ma fille. Maman! Odugo, ma femme! J'ai toujours parlé de. Tu vois, tout ce que je faisais là, c'était pour la rendre forte. Pour que le jour qu'elle va accoucher, qu'elle accouche comme le femme hébreu. Hein? Je savais que tu allais me donner raison, on finisse. Pas de problème, maman. Mais maman, tu avais souvent l'habitude de la frapper, non? Non, ce n'est pas vraiment ça. C'est quand tu aimes quelqu'un beaucoup, tu le contrôles à tout moment. C'était pour la rendre meilleure. Tu vois que c'était pour son bien, elle en a profité. Je sais, ça c'est ma maman que j'aime beaucoup. T'appelles maman. Maman, je t'avais dit non? Elle allait m'apporter tout le bonheur. Je sais. Regarde maintenant. Je au fond, quoi. Tout est ok. Heureusement que tu t'avertis. Voyons. Maman, tu as raison, hein.
mon amour. Hmm? Voici ce avec quoi Dieu nous a bénis. Il nous a bénis. J'ai pensé qu'on partait au shop. Je ne savais pas que tu allais nous emmener ici. Non, non, chérie. On ne va plus aller au shop, ok? Voici notre nouvelle maison. Non. Si. Non, tu blagues. Je suis sérieux. Voici ta maison, chérie. Oh! Comment d'abord ici? Ah, chérie, non! En tout cas! Je suis très contente. Mon amour, me marier avec toi n'était pas une mauvaise idée. Je suis celui qui est béni. C'est toi que je dois remercier pour tout. Imagine que ton frère n'ait pas existé. Imagine que ton frère ne soit pas ce pont-là. C'est à travers lui que nous avons tout ça, grâce à son aide précieuse. Et c'est toi que je dois remercier, bébé. Que Dieu soit loué. Merci. Je t'aime. Je t'aime aussi, chérie.